j'appelle les membres de la seconde table, la deuxième table, à venir me rejoindre. Exil. Migration, différences et ressemblances, quels effets sur la littérature? Alors, je vais présenter mes invités. À ma droite, Malick Diarra. Malick, vous êtes écrivain franco-sénégalais, vous êtes natif de Saint-Louis, du Sénégal. Vous avez travaillé comme électromécanicien avant de devenir écrivain. En 1986, vous écrivez L'enfant de Balagos, votre premier roman, qui sera finalement publié en France chez Bibliobook en 2002. Il se trouve justement sur la table en face de nous, près de la fenêtre. Suivent trois autres ouvrages chez Menaoubik, Le chemin de l'oublieux en 2009 et La rébellion des silences également en 2009, ainsi qu'en quelques années plus tard, Écho d'un regard impalpable et le poème de Saint-Louis du Sénégal en 2012. Vous êtes le vice-président du Pen Club français. J'ajoute que la question de l'exil, vous l'avez vécu très jeune, ô combien, puisque vous serez kidnappé au sens premier du terme, enfant par les esclavagistes de Mauritanie, qui vous restitueront à votre famille quelques années plus tard. Donc, vous l'affrontez, Franco est très jeune, on va en parler tout à l'heure. Andrea Genovese, qui est à ma droite également, vous êtes sicilien, vous avez aussi vécu le drame de la guerre, mais autrement, puisque enfant, vous partez à Santa Croce et sur l'Arno, donc en Toscane, et vous revenez plus tard en Sicile et vous faites l'aller-retour dans cette Italie du grand boom économique. Et vous seriez un immigrant de l'intérieur, hein, puisque vous installez à Milan en 1960, vous y restez jusqu'en 1980 et vous travaillez dans la fonction publique tout en développant une activité syndicale et militante très intense. Vous collaborez à plusieurs journaux, dont Dimensione Uomo, que vous dirigez. Vous collaborez aussi à Il Ponte, Vie Nuove, Uomini e Libri, la Nuova Rivista Europea, et vous êtes aujourd'hui l'animateur et le rédacteur de la revue Belvedere, que vous publiez tous les deux mois, je pense. Vous avez aussi publié plusieurs romans et poèmes et pièces de théâtre en italien et en français. Et le pote plus récent, Opus, a été écrit directement en français et s'intitule Dans l'utérus du volcan aux éditions Maurice Nadeau, et qui est un roman dont on parlera également et qui a une bonne presse en tout cas. À ma gauche, Adriane Bravi, vous êtes né à Buenos Aires en 63. À la fin des années 80, vous vous installez en Italie, où vous travaillez depuis en tant que bibliothécaire à l'université de Macerata. C'est en 2004 que vous commencez à écrire en italien, après le succès de Ristutuisci il cappotto aux éditions Fernandel, et vous publiez dans la foulée La pelusa, Il riparto, et vos romans sont traduits en espagnol, en anglais et en français aux éditions Rivage et Poussière aussi. Hein. Voilà. Enfin, à ma gauche également, Mia Lecomte. Vous êtes poétesse et écrivaine. Vous vous intéressez depuis 20 ans à la littérature transnationale italophone, à laquelle vous avez consacré votre thèse de doctorat, ainsi que votre tout dernier essai, D'un poético altrove, publié cette année même chez qui? Cesati. Parmi vos dernières publications, on compte de nombreux recueils de poèmes et de nouvelles, parmi lesquels Al Museo delle Relazioni Interrotte et Cronica di un'impossibilità. J'ajoute que vous êtes rédactrice pour la revue semestrielle Semicerco, qui est un de nos partenaires, et vous collaborez régulièrement pour le monde diplomatique en italien. Vous êtes enfin membre et fondatrice de la Compagnie des Poètes, qui est très particulière parce que ce sont des femmes poètes, des poétesses, donc, qui ont comme caractéristique d'être de ne pas être italiennes.
d'écrire, de parler et d'écrire en italien. Et aussi de Lingua Franca, une agence littéraire transnationale qui nous a aidés effectivement à faire cette rencontre. Alors, ma question s'adresse à vous, Mia, qui avez étudié cette littérature depuis longtemps. Ces écrivains migrants dont on parle depuis tout à l'heure, en quoi se distinguent-ils des Rodolfo Wilcock, Giorgio Pressburger et de l'immédiate après-guerre où on parlait du citoyen du monde, etc. Bref, aussi, quel est leur poids? Combien de divisions? Alors, moi, je vais parler italien pour complicité avec mes amis italiens qui sont ici, mais s'il y a besoin, je peux traduire. volevo appunto parlando di questa, rispondendo, per rispondere a questa domanda, riprendere quello che ha detto prima Ugo Fracassa. E innanzitutto una premessa che mi sta molto a cuore, perché è 20 anni appunto che insisto su questo punto. Si sta parlando di letteratura e si sta parlando di scrittori, di veri scrittori, cioè quindi la vera differenza sta fra scrittori e non scrittori, fra letteratura e non letteratura. Perché quando si disegnano e si stabiliscono delle categorie, come tutte quelle che abbiamo sentito e che si sono succedute negli anni per definire la letteratura scritta da stranieri in italiano, si rischia sempre di perdere di vista la letteratura e gli scrittori. Allora, la letteratura non è mai presente, per esempio nei convegni universitari, nei grandi incontri che vengono fatti, si fa molta teoria, ma spessissimo non si sentono i testi. I testi non, infatti sono molto felice che stasera ci sarà uno spazio per questo. E soprattutto si tende a mettere tutti questi scrittori in un contenitore che poi, per il quale si succedono delle definizioni, senza entrare nel merito dei loro testi. E questo è un modo anche per far passare le opere di questi autori in italiano, non lo so poi in ambito della francofonia cosa succeda, in secondo piano. Cioè, e anche diventano un argomento universitario, e un argomento universitario quindi interessante, eccetera, ma non si entra mai nel merito della loro scrittura. Allora, quello che si diceva, che diceva prima Ugo, della differenza fra scrittori per necessità e i global writers, anche questo è un discorso che non si può, cioè non stiamo parlando di un sottovuoto in cui operano gli scrittori, stiamo parlando di uno spazio in cui agiscono anche le case editrici, che sono il mezzo con cui purtroppo uno scrittore deve passare attraverso una casa editrice per raggiungere un pubblico di lettori. I global writers sono un'invenzione delle case editrici, la differenza tra un global writer e uno scrittore migrante è appunto nella necessità, ma la necessità non è data dal bisogno, la necessità è la necessità reale di uno scrittore di dire qualcosa. Quindi non è la distinzione fra un professore universitario e un povero scrittore che deve fuggire perché non può più stare nel suo paese, che c'è anche questo, ma la differenza è fra uno scrittore che ha l'urgenza e la necessità da dire qualcosa perché è uno scrittore e in quanto scrittore si rapporta alla nuova lingua secondo modalità che sono diverse, e una creatura di un circuito editoriale che ha bisogno di rappresentare questa realtà che attualmente storicamente esiste e chiama lettori e che quindi ha un mercato, costruendo i global writers. Mi raccontava Ugo una cosa che ho trovato scandalosa, cioè esiste adesso, oltre all'editor, la figura del sensitivity reader. Sensitivity reader è un editor che normalizza la scrittura di uno scrittore straniero perché si adatta a entrare in un mercato. Ci domando di fare questo esercizio in francese? Ah, no, no, no. Ah, c'est moi? C'est toi, c'est toi. Bon, alors je vais essayer de résumer parce qu'elle a dit beaucoup de choses, Mia, mais... Tu n'as pas fait attention? Ben oui, j'ai fait attention, en fait, elle expliquait qu'en fait, elle renvoyait au terme de global writers, qui est une invention du marché.
pour vendre du livre, en fait, finalement. Et que face à ça, les écrivains qui écrivaient par nécessité avaient la peine à se faire entendre. Et qu'il fallait donc réaffirmer cet espace. C'est l'objet de ce colloque, hein. C'est précisément l'objet de ce colloque, pour mettre en lumière ce qui est au fondement l'expérience même de l'écriture, c'est la confrontation avec cette langue vers laquelle on va, qui est, qu'évoquait Andrea, et qui est fondamentalement notre destin, qui s'en transforme en destinée finalement, pour faire bref. Et cette nécessité fondatrice, eh bien, c'est cette langue-là qui doit l'exprimer. Et c'est là où on retrouve les vrais écrivains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet espace éditorial qui doit favoriser l'éclosion de cette littérature-là est en train de disparaître, finalement. Enfin, disons, je noircis à dessein, ou est en train d'être reconfiguré, disons. Alors, si on veut être optimiste. Mais enfin, cet espace-là, il faut le réaffirmer plus que jamais. Pour conclure, Mia évoquait aussi la figure du sensitive writers, qui semble être reader, qui est le lecteur sensible, disons, traduit très schématiquement. C'est quelqu'un qui travaille pour la maison d'édition, qui travaille pour évoquer, pour en fait, et là on touche un thème qui est récurrent, pour normaliser la langue, pour faire en sorte qu'on a une littérature politiquement correct. Pas seulement la langue, le contenu aussi. Le contenu. Donc, alors, justement, il y a quelques auteurs ici qui sont politiquement incorrects. On va leur donner assez vite la parole. Mais voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sì, quindi dicevo, anche per definire la letteratura italofona sono state date tante etichette negli anni. E diciamo che è stata anche data una data di nascita, primi anni 90, coincide con quella che viene detta la grande emigrazione, cioè l'arrivo in massa dell'immigrazione dal sud del mondo in Italia, anche se nel mio saggio io anticipo la nascita agli anni 60, perché i primi scrittori con una reale necessità di passare a un'altra lingua e di dislocarsi, di venire in Italia e di passare obbligatoriamente all'italiano, hanno cominciato ad arrivare negli anni 60 e sono soprattutto poeti, fra l'altro. Ed erano autori questa specie di avanguardia, noti nei paesi d'origine. Parlo per esempio, non so, di Murilo Mendes, un grandissimo poeta brasiliano, l'ultima raccolta di Murilo Mendes. Murilo Mendes è venuto a Roma con un incarico universitario. Dopodiché non ha più potuto ritornare però in Brasile e l'ultima raccolta è in italiano. Tra l'altro un'altra questione che è importante, cioè per lo studio di queste letterature è indispensabile che tutte queste anime di questi autori, ritorno all'esempio di Murilo Mendes, cioè che tra il Murilo Mendes brasiliano e il Murilo Mendes italiano ci deve essere una continuità, ci deve essere qualcuno che se ne occupi in modo multidisciplinare e che segua uno scrittore nelle varie incarnazioni, quindi ci vorrebbero delle collaborazioni anche fra i critici e le università del paese d'origine, dei paesi d'arrivo, per riuscire a delineare tutta la parabola di un autore, no? Questo si sente studiando questi autori, è indispensabile, perché io me ne sono occupata per 20 anni, ma me ne sono occupata dal punto di vista dell'italofonia. Lo scrittore che era prima e che io sento sotto la lingua, perché quello scrittore è lo stesso, è lì, però non sono in grado linguisticamente, culturalmente, perché finché si parla di culture vicine è più semplice, ci sono autori che vengono da molto lontano, che vengono da contesti culturali molto diversi, quindi per poter accedere a quello scrittore ci vuole necessariamente la collaborazione di colleghi di quell'area letteraria. E questo è il lavoro da fare. Sì, dunque, so se ti interessa, il y a beaucoup de choses que tu as dit, fort intéressantes, mais je vais essayer de résumer. En fait, Mia pointe le fait qu'effectivement, ces écrivains qui viennent d'ailleurs ont aussi une vie avant et qu'il faut ça pouvoir retracer et étudier. Et c'est là que s'ouvre un nouveau champ, le champ tout à fait fascinant et passionnant, de voir comment ces écrivains
d'avant sont en relation avec les écrivains d'après. C'est toujours le même personnage, le même écrivain, mais enfin, pas que. Il est aussi transformé par sa langue d'accueil, quelque part. Donc, il y a là tout un champ d'exploration qui permettrait effectivement de faire advenir cette Weltliteratur au sens où l'entendait Goethe. Enfin, non pas, il y a, ou une littérature véritablement monde, et non pas un outil marketing pour les quelques privilégiés qui veulent vendre des livres, enfin, d'une certaine façon, ou pour, voilà. Bien, merci Mia, je tends le micro aussi à Malik, qui est à ma droite, et je vais lui poser la question. Malik, bon... Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire, hein, à travers votre militantisme politique? Pourquoi vous étiez électromécanicien? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et pourquoi avoir écrit en français? Alors, plutôt qu'en wolof, qui est votre langue maternelle. Bon, évidemment, on pense à Senghor qui, dans son fameux essai, expliquait aussi son positionnement. Mais pourquoi ne pas avoir écrit dans votre langue maternelle et vous aussi le déclic de votre écriture? Avant tout, dans le micro. Avant tout, Fulvio. Oui. La littérature, pour moi, c'est une valise qui est puisé avec les mamelles initiatiques et culturelles de son terroir. Oui. C'est l'initiation ésotérique. Tout le monde peut être un littérateur. J'écris pourquoi en français, oui, mais je pense en wolof. Alors, expliquez-nous. Mes sensations qui sont initiatiques restent en moi. Ce que Senghor appelle l'enracinement et l'ouverture. Je m'ouvre en écrivant en français. Mais le fond de chaque mot que j'emploie en français a un sens. J'écris en profondeur. Mon écriture, pour la comprendre, il faut la pénétrer. Parce que nous écrivons autour de la philosophie du divin, du profane, de l'impalpable, du visible, de l'invisible, tout ça autour de notre culture originelle. Oui, alors justement, comment vous évoquez, dans votre premier roman qui évoque votre enfance et aussi le drame de ce que vous avez vécu enfant, d'avoir été kidnappé, est-ce que vous avez été confronté déjà à la séparation brutale, tout jeune. Et dans quelle mesure, au fait, vous avez aussi, on vous parlait d'autres dialectes, pas le wolof, mais d'autres langues autour de vous. Comment tout ça vous a fait advenir à l'écriture? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui s'est déclenché chez vous? Vous parlez d'initiation, alors. Il y a deux choses dans la vie qui ont fait que toutes mes forces se sont concentrées sur l'écriture. D'abord, j'ai été kidnappé par les esclavagistes mauritaniens quand j'avais 6 ans. Oui. Ils m'ont amené, j'étais esclave pendant 4 ans en Mauritanie, dans le désert. Je m'occupais des chèvres, je m'occupais des femmes pour faire les massages. J'allais en brousse, je ne mangeais pas. Je voyais des gens mourir devant moi, des esclaves comme moi. Des gens qui avaient faim et qui, dans la brousse, en se promenant, ont mangé des chèvres mortes et ils ont eu des diarrhées. Mmh. Ils sont morts, une dizaine morts en peu de temps. Oui. Alors, c'est une facette. Oui. Ça, c'est une facette de la vie. Oui. 4 ans après, j'en suis sorti de ce désert grâce à des gens qui ont eu un peu d'humanité, qui m'ont fait sortir de ce canevas-là.
Donc c'est la recherche de cette humanité que vous cherchez peut-être, vous êtes en quête à travers votre écriture, cette humanité qui vous a sauvé, que vous avez pu trouver chez ceux qui vous ont aidé. J'ai rencontré deux choses qui m'ont fait chercher l'humanité. D'abord, la colonisation. Oui, alors, parlons-en justement. La colonisation a été pour moi une étape. D'un côté, nous étions les vaincus, oui, et eux, les vainqueurs. Les Français. Oui, les Français. Et durant tout le temps, on m'a parlé de mon pays. Dans les livres, on écrivait, j'ai connu mon pays à travers les conquérants. Mm-hmm. On n'a jamais passé la parole au griot de mon pays pour me parler de mon terroir. Ça, c'est important, effectivement. Donc, vous avez voulu reprendre, oui, à travers la langue du colon. Oui, ils m'ont donné quelque chose d'essentiel pour ma vie, la, oui, colonisation, oui, et je remercie beaucoup la colonisation. Le pont qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à Paris en parlant avec les gens, la langue a été un pont, oui, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu pour élever l'être humain. C'est la langue française? C'est la langue française. J'écris en langue française, mais tout mon ressenti sort de mon origine, de ma culture, que je ne peux pas abandonner. Quand tout de suite j'ai entendu dire que une langue fait abandonner la première langue, j'ai dit non. Non, c'est pas tout à fait ce que non, tu j'ai dit. j'ai écrit, j'ai entendu, mais c'est une déchirure mélancolique. Oui, ben on l'a eu, ok, effectivement. Oui. Mais ce qui fait la force de l'être humain, oui, c'est son enracinement, c'est-à-dire son initiation. L'initiation. Parlez-en de l'initiation, justement. Pour vous, c'est la langue qui la langue de la culture, là, qui était, enfin, parce que j'ai en tête le ce que l'initiation, c'est une valeur de civilisation, une valeur culturelle qui élève l'être humain. C'est ce que Senghor appelle les valeurs de civilisation, qui sont différentes des valeurs universelles. Les valeurs universelles, c'est conçu par des gens qui disent que c'est ça qui est bon, qui est mauvais. Mais chaque pays a des valeurs de civilisation. Bien sûr, bien sûr. Et c'est avec ces valeurs de civilisation qu'on concourt à élever le monde, à donner au monde une valeur universelle. Chacun apporte au rendez-vous du donner et du recevoir, chacun apporte quelque chose d'utile pour l'humanité. Bien sûr. Mais justement, est-ce que le français a été pour vous cette manière de se séparer de sa langue, de sa communauté d'origine pour se réapproprier de cette valeur de civilisation que toutes les cultures ont d'une certaine façon, donc de la valeur humaine, la dimension humaine? C'est la distinction que faisait Todorov, justement, entre civilisation et culture. Alors, dites-moi. La langue française, pour nous... Est-ce que c'est une manière de se séparer pour se réapproprier de cet héritage humaniste? Nous, on donne des apports féconds à la langue française. Ces apports féconds, c'est notre sensibilité, notre histoire. Regardez Senghor, quand oui, quand vous mais écoutez, vous, parlons de vous. Mais parler de moi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que l'humain à l'humain peut donner à la culture universelle. C'est ce qui est important, l'humain à l'humain. Très bien. Bon, on va continuer. Je vais justement. Donc, la dimension coloniale, c'était oui, bien de le souligner. On va continuer. Je vais m'adresser à Adriane qui, lui, a expérimenté un autre aspect qui est l'immigration. L'immigration, vous vous situez dans cette longue histoire de l'immigration, notamment. Vous avez écrit un très bel essai sur ce thème qui s'intitule « La gelosia delle lingue ». Et j'ai recueilli un extrait qui est très intéressant et vous dites ceci. « Je n'aurais jamais pensé que l'espagnol, ou mieux le castillan, que j'ai utilisé jusqu'à ma 24e année, ne devienne une langue sans vieillesse. Sans vieillesse. De même que l'italien, par rapport à mon passé, une langue sans enfance. » Et vous donnez l'exemple qui est très intéressant.
de l'enfant que vous étiez et qui courait après la lagartija. Je ne le dis. Dites-le en espagnol. Lagartija. La lagartija, oui. Et qui est la lucertola. Hein? Hein? Courir après la lucertola. Ou bien qui est le lézard, hein, vous avez compris. Ce n'est pas la même chose. Alors, cette langue sans mémoire, cette mémoire de l'enfance, qui est le drame secret de la langue d'immigration, qui, dites-vous, est celle d'une maternité cachée. Maternité cachée. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous cette maternité cachée que recèle la langue du migrant? Allora, scusate se parlo in italiano. Allora, per maternità, facciamo un passo indietro. Sì. La lingua innanzitutto non è un corpo grammaticale che io posso applicare a una storia, a un'idea, a quello che sia, ma lì la lingua è un punto di vista. È un'interpretazione che noi diamo del mondo, cioè quando parliamo di lingua noi guardiamo attraverso la lingua, non solo parliamo attraverso la lingua, guardiamo e sentiamo attraverso, amiamo attraverso la lingua. Quindi quando passare da una lingua all'altra resta in noi una sorta di maternità che non ci abbandona mai, che non ci abbandona mai. Prima Ugo faceva l'esempio di Jacobson, no? In cui lui diceva io parlo il russo in 15 lingue e quindi mi sembrava una cosa meravigliosa perché si capisce perché dentro l'altra lingua che tu adotti resta una maternità che non ti abbandona mai. E quindi puoi cambiare lingua, ma dentro di te resterà quel fanciullino pascoliano che continua a parlarti dentro. Un po' era questa l'idea che avevo pensato di maternità della lingua. Quando poi passi da una lingua all'altra, a volte il passaggio uno lo... è una scelta che uno fa, una scelta libera che uno fa. Però tutto questo, come diceva sempre Ugo e si era creato il dibattito, comporta anche, o potrebbe comportare, anche una sorta di dolore nel passaggio di una lingua. Perché scrivere una lingua che non sia la lingua materna non è sempre felice. Pensiamo per esempio a Agatha Christophe, no? Una scrittrice francese. Ungherese, lei scrive un libro meraviglioso che si chiama L'analfabeta, no? In cui diceva che lei considerava la lingua francese una lingua nemica perché stava uccidendo la sua lingua madre, l'ungherese. E questa era un'idea che mi sembrava molto bello, mi sembravano molto belle queste parole. E mi è venuto a pensare che effettivamente il rapporto che uno stabilisce con la propria lingua può avere diverse sfaccettature. Uno può sentirsi felice nello scrivere in un'altra lingua, ma allo stesso tempo potrebbe sentire un grande dolore nello scrivere e nel parlare in un'altra lingua. Per esempio, faccio un altro esempio che è quello di Brodsky. Brodsky in un saggio scrive, quando racconta appunto che i suoi genitori non riuscivano ad andare a trovarlo in America perché non lo facevano uscire e lui a un certo punto, dopo che erano morti i genitori, chiedeva che i genitori venissero accolti dopo la morte in un'altra lingua, che non sia il russo. Mi sembrava una cosa molto forte questa, no? Che augurarsi la sepoltura linguistica in un'altra lingua oltre quella la lingua madre. O per esempio, faccio un altro esempio, una carissima amica che era stata esiliata negli anni 70 in Italia
lei aveva due figli desaparecidos e io l'ho frequentata per molti anni. Ebbene, lei parlava, tra di noi parlavamo lo spagnolo, però c'erano volte che, come dire, voleva cambiare, come se non voleva parlare in spagnolo, voleva parlare assolutamente in italiano, anche se lo non lo conosceva bene, lo parlava un po' a stento, perché mi rendevo conto che in quel momento i fantasmi del passato entravano nella sua lingua. Ecco, e quindi si vive, ci sono diversi sentimenti che chiamano in causa la lingua, la memoria stessa, non so, a volte mi viene da pensare che certe volte non possiamo ricordare allo stesso modo in una lingua e in un'altra fatti che ci sono accaduti in passato, no? E a volte viene da pensare che i ricordi parlino proprio la lingua in cui sono accaduti. A volte evocarli in un'altra lingua è un po' come mascherarli, sbiadirli. E quindi, ecco, tutto questo mi fa pensare, per tornare alla domanda, che c'è dentro di noi una maternità che resta in noi anche quando, ecco, parliamo altre lingue. Cercherò di riassumere. Allora, j'évoquais la notion de maternité cachée che cite Adrien Bravi dans un très bel essai qu'il faudra traduire impérativement en français qui s'appelle Les jalousies de la lingua, les jalousies de la langue, et qui est un voyage à travers ces thématiques, à travers aussi des grands écrivains. Alors, il en a cité au moins deux. Même toi, Jacobson, qui évoquait donc le parler le russe, hein, vous l'avez entendu, en 15 langues différentes. Et également la figure d'Agatha Christophe, qui évoquait la langue ennemie qu'était le français, qui étouffait en elle justement les accents de sa langue d'origine. Et d'où l'inquiétude, l'intranquillité évoquée tout à l'heure par l'ami Andreas et aussi par le grand poète portugais que vous connaissez, Pessoa. Donc cette intranquillité, cette angoisse, cette inquiétude, elle est consubstantielle à cette maternité cachée. Qu'on cache, si on cache quelque chose, c'est qu'elle fait problème aussi, hein, quelque part. Et aussi à la figure de Brodsky, le grand poète Brodsky, prix Nobel de littérature, qui, n'ayant pas pu voir ses parents, puisqu'il résidait aux États-Unis, s'imaginait qu'après leur mort, il puisse être accueilli dans un lieu imaginaire, je suppose, non pas le paradis, mais enfin, dans un imaginaire, que dans une autre langue, une langue de l'hospitalité, peut-être, là, c'est moi qui l'ajoute, une langue autre. Tout ça nous conduit à cette thématique de la langue d'origine, la langue vers laquelle on va. Encore une fois, je reprends le fil d'Andrea, pour affirmer cette maternité que porte toute langue, finalement, toute langue qui nous est proche, qui nous constitue. Voilà, je crois qu'avoir fait un résumé essentiel, en tout cas, j'espère. Alors, je me tourne maintenant vers l'autre André Genovese, qui a eu aussi une enfance entre plusieurs langues et dialectes, puisqu'il est passé du sicilien, qu'on retrouve dans ses romans, et au toscan, la langue qui est devenue la langue officielle italienne. Alors, de ces dialectes, de ces langues, hein, qu'on retrouve, donc, comme je disais dans les romans, quelle première leçon en tirez-vous? J'ai en tête le roman que je citais dans L'utérus du volcan. Vous citiez plusieurs fois des expressions siciliennes, hein, qu'on retrouve
On note en bas de page, en traduction. Alors, justement, quel est votre rapport au sicilien, au dialecte que vous avez entendu, que vous avez appris enfant en Toscane? Et voilà, à vous de parler. Je ne sais pas d'où commencer, hein, parce que moi j'ai essayé de raconter ma vie et j'ai écrit et publié en Italie 3 romans autobiographiques. Je suis parti de 1944, j'avais 7 ans, j'ai vécu la guerre mondiale. Et je suis arrivé en 1960, donc j'ai du temps encore pour raconter le reste. Hein. Je suis en France pratiquement depuis 40 ans, la moitié de ma vie. J'ai un fils qui est français, il enseigne dans ses lycées. J'ai des petits-fils qui sont français. Moi, je n'ai jamais demandé la nationalité française parce que je ne sais pas qu'en faire. D'ailleurs, si je peux régaler, faire cadeau de l'italienne à quelqu'un, je le ferai volontiers. Je suis un peu un franco-philophobiphone, que c'est quand même une expression que j'ai forgée moi-même. Et c'est évident que dans le cours de ma vie, j'ai fait pas mal d'expériences. Aussi, j'ai vécu le 68 dont on a parlé à Milan, oui, pendant les années de plomb, dans une situation d'engagement politique et syndical très fort. Et en même temps, dès l'enfance, j'écris. Dès l'enfance, j'ai commencé à écrire des poèmes. En quelle langue ? Ah, en italien. En italien ? En italien, parce que le bilinguisme naturel des Italiens, oui, c'est-à-dire le bilinguisme région, oui, dialecte, si, dialecte régional et langue, est naturel, où l'était. Où l'était. Parce que maintenant, on est en train d'uniformiser complètement. Mais justement, Pasolini avait écrit, voilà, en friulain. Est-ce que ça ne vous a pas tenté d'écrire en sicilien? Moi, j'ai publié des recueils de poèmes en sicilien. Ah, d'accord. Donc, voilà, le sicilien aussi. Mais le sicilien est revenu à moi comme une sorte de vomissement dans un moment tragique de ma vie, quand j'ai perdu ma femme. Mmh. Je ne pouvais plus écrire ni en italien, et c'est venu ces poèmes de l'enfance en dialecte sicilien. Là, c'est aussi une manière de considérer, oui, le passage d'une langue à l'autre. Ou pourquoi. Je suis en France depuis 40 ans, j'ai traduit quelques poètes à cette époque-là, au début français en italien. D'ailleurs, j'ai découvert les poètes lyonnais, qui après ont été connus aussi dans leur ville, parce que personne ne les connaissait. On m'en a remercié quand même. Mais personne ne traduisait mes poèmes. Et alors j'ai commencé à écrire quelques poèmes en français. Voilà, et petit à petit, j'ai publié 4 recueils de poèmes en français. Successivement, ça m'est arrivé d'écrire en français un certain nombre de pièces, mm-hmm, qui ont été, ne sont pas publiées, mais qui ont été toutes jouées à Lyon, par exemple. Mm-hmm. L'expérience du roman, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Parce que le roman nécessite une maîtrise de la langue qui à cette époque-là, je n'avais pas. Mais je l'ai récupéré petit à petit, je pense. Mais tout en tordant la langue, comme je faisais déjà en italien. En inventant. Parce que mon problème à moi, oui, c'est justement de ne pas tomber dans le lieu commun d'une langue formatée, standardisée, etc. Mais d'essayer d'exprimer quelque chose, celui qui vient du profond, mais qui est sur un engagement et un combat. Dans le métro, dans le micro. Et un combat. Et un combat dans le, qui n'est pas nécessairement et strictement politique, mais c'est un combat de vie, et je ne fais que ça toute ma vie. Je disais que je suis un peu franco-philophobiphone, dans le sens que je suis sicilien, et donc j'ai quelques génomes qui me viennent de mes ancêtres, qui ont fait les vêpres siciliennes, c'est-à-dire qui ont chassé dans leur existence historique, le seul peuple qu'ils ont chassé, c'est les Angevins. Et donc ça reste à moi d'une manière très forte et conflictuelle. Conflictuelle. Pourquoi ça reste conflictuelle? Parce que j'ai une conception de la vie qui est faite d'une série d'expériences successives. C'est quand même un gros bagage de vie, avoir vécu 80 ans. Et savoir que plus ou moins je dois vivre encore 40, c'est quand même un poids lourd à porter. Mais tout ça
a fait que l'espérance du roman réussisse d'une quelque manière à exprimer ce livre qui s'appelle « Dans l'utérus du volcan ». En vérité, le titre était original. Pour moi, c'était un prix de poésie, mais c'était ironique. Mais un titre, un prix de poésie, un roman, évidemment, ne donne pas la possibilité d'être diffusé. Donc, on a essayé de changer le titre. J'ai choisi quelques vers de mes poèmes en français, parce que j'ai quand même publié 4 recueils de poèmes écrits directement en français. Et je l'ai passé à l'éditeur. Il a choisi un peu au hasard, mais maintenant un peu se repentit, parce que aussi c'est trop provocateur le titre dans le Russe de Volga. Et c'est une histoire un peu sicilienne, terriblement sicilienne. C'est une sorte de voyage de nostos, de retour à la Sicile natale avec ma femme, ou la femme, une figure à l'occasion de la signation d'un prix de poésie chrétienne. On va en parler parce que c'est un livre tout à fait révélateur. Je voulais le garder pour la fin. Bien, alors je me tourne aussi vers Malik pour poursuivre ce dialogue sur la colonisation, sur l'expérience coloniale. Alors, comment a été reçu votre travail justement au Sénégal? Je sais que vous voyagez souvent entre le Sénégal et la France. Et est-ce que le fait de publier en France, comment est-ce que c'est bien reçu? Comment votre travail a un impact ou pas la scène sénégalaise des lettres? Et quel est le dialogue que vous avez avec vos pères au Sénégal? Vous savez, longtemps au Sénégal, si tu ne sors pas de l'université, tu n'es pas compté parmi les intellectuels. Or, j'ai dit à tout le monde au Sénégal, être universitaire ne veut pas dire être un intellectuel. Parce que tu peux avoir tous les diplômes de l'université, mais tu ne restes pas cultivé. Parce que l'université forme des hommes instruits et d'autres qui sont indigents. Avoir des diplômes universitaires ne veut pas dire que tu as la maîtrise des choses à l'université. Moi, je fais confiance à l'expérience. Alors, parlons de l'expérience, justement. Moi, en tant que mécanicien... Oui, parce que c'est ça qui était intéressant, et c'est un peu le parcours de... Oui, je viens d'un lycée technique. Et c'était la veille des indépendances. J'étais embrigadé dans les mouvements d'indépendance. J'étais communiste au Sénégal et je le demeure jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 50 ans. Oui, il y en a ça deux. Fait 50 ans que je suis communiste. Je connais Berlinguer. Je connais bien. Et j'ai fait toutes les guerres de libération en Angola, au Mozambique et en Chili. Au Chili, à côté d'Allende. Le 11 septembre 1973, j'étais autour de la Monedad avec Allende. Allende n'a pas été assassiné, ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Et c'est toutes ces forces-là que j'ai réunies pour faire mon activité créatrice. J'écris parce que je renferme beaucoup de choses que je dois mettre sur les papiers. Je n'écris pas comme un universitaire comme Sylvestre. Il me corrige souvent. Oui, je viens. Mais, parce que j'écris avec des oxymores, des métaphores, comme ma culture originelle, parce que je disais tout de suite que c'est dans les mamelles de mes racines, des racines de mon terroir, que j'ai réfléchi et j'écris. La France nous a beaucoup apporté. Depuis 1832, le premier instituteur au Sénégal a commencé à enseigner. 1832. Moi, je ne suis pas un exilé.
Alors justement, comment je ne suis pas un exilé. Vous vous définissez, hein, vous, est-ce que, parce qu'il y a eu aussi des mouvements littéraires qui ont dit on refuse l'universalisme colonial français et ses prétentions. Justement, vous vous positionnez comment par rapport à ces mouvements littéraires et ce mouvement d'idées aussi, hein, avec aussi des options politiques derrière. Moi, je suis citoyen du monde et j'adhère à toutes les idées qui élèvent l'être humain dans la justice, dans la droiture, dans l'équité et dans la liberté. Mais aujourd'hui, la passion de l'ignorance a fait que beaucoup de gens ouvrent, parlent, écrivent, ils écrivent ce qu'ils ne savent même pas. C'est ça qui crée l'intégrisme. L'intégrisme est multiforme. Parce que les gens, ils ne se donnent plus de temps à la réflexion. Et pour vivre ce monde-là, il faut apprendre à s'étonner, à réfléchir pour pouvoir concevoir un chemin de vie. Bien. Merci. Merci, Malik. Je me tourne donc de nouveau vers Adriane pour évoquer cette citation liée à l'expérience de la langue, du poète Borsky, qui dit que, effectivement, vous l'avez dit, l'exil est d'abord une expérience linguistique. Et c'est à ce moment-là que l'épée, qui est la langue maternelle, se transforme en bouclier. Alors, ma question, bouclier ou scudo? Bon, alors ma question, alors quand la langue de l'exil redevient-elle une épée? Quand est-ce que la langue de l'exil redevient-elle une épée? C'est encore une question un peu métaphorique, mais vous saurez bien répondre, je pense. Mais si, nel caso di Brodsky, la lingua in cui appunto lui diceva che in un paese straniero la lingua diventa uno scudo, anzi lui ne dà anche un'altra metafora che è quella della capsula. Perché effettivamente quando la prima cosa nella quale noi ci rifugiamo quando abitiamo in un paese straniero è la lingua. La lingua diventa il nostro rifugio. Nel mio caso, per esempio, quando io sono andato via dall'Argentina e sono andato a vivere in Italia, per me la lingua era quello che ancora mi ancorava, mi legava al mio paese d'origine. E era quella salvezza che avevo, quella capsula lì. Tanto è vero che ho continuato a scrivere per 10 anni in spagnolo. Io il primo libro che ho pubblicato l'ho pubblicato in spagnolo, pur abitando in Italia già da quasi 10 anni. E quindi per me la lingua era quel rifugio. Non mi mancava tanto il mio paese quanto la lingua. Ora, io credo che in questo caso, quando si abita in un posto straniero e la lingua diventa la tua patria. Un altro caso, per esempio, è quello di Cortázar. Cortázar è vissuto qua a Parigi dalla metà degli anni 50 fino a che... Ma lui ha scritto sempre in spagnolo, poi in uno spagnolo meraviglioso, perché era uno spagnolo molto, molto argentino, ed è riuscito a mantenerla, la sua lingua. E questo è ammirevole, perché io mi rendo conto che due lingue allo stesso livello di conoscenza non coesistono dentro una persona, sempre una prevale sull'altra.
Ecco, e la lingua, in questo caso, per me, per esempio, la lingua materna diventa una lingua un po' come sbiadita, una lingua in cui non riesco proprio ad afferrarla come che è un po' drammatico questo, perché non riesco a dominarla come lo facevo quando abitavo là. Ecco, ora, quando abitiamo all'estero, credo che questo rifugio della lingua sia la nostra patria. Credo che l'esilio, e tu lo hai scritto in un saggio, sia proprio un evento linguistico, perché è nell'idea della lontananza il sentimento maggiore che poniamo in gioco è quello della lingua, è il sentimento della lingua. Credo che sia nella lingua dove stanno tutti i nostri sentimenti, tutti i nostri, il nostro passato, insomma. Alors, je posais la question de la. Hein, vous avez compris, hein, c'est comment une langue, en citant Brodsky, comment une langue, la langue maternelle peut redevenir le glaive, un glaive ou une épée, hein, c'est-à-dire une manière de ciser et de couper, enfin, quelque part, et d'intervenir dans la réalité, quelque part. Et Adriane me disait aussi que Brodsky avait utilisé aussi la notion de capsule, qu'il y ait la protection à cette maternité cachée qu'il évoquait tout à l'heure. Et que, en fait, dans cette protection, il y avait aussi. L'idée, alors là, j'ai peut-être un peu perdu le fil, je m'en excusera. Non, pour l'idée que c'était la notion de protection, hein, se protéger de l'envahissement de l'autre langue, qui est celle de la langue maternelle, qui s'estompe, voilà, la notion d'estomper. Et rares sont les écrivains qui arrivent à maîtriser dans le pays dans lequel ils sont, dans le pays dans lequel ils ont émigré, la langue d'origine. Alors, il citait le cas de Julio Cortázar, qui a vécu ici de nombreuses années et qui a conservé un espagnol, un castillan impeccable. Je pense aussi à une romancière canadienne qui est décédée maintenant, et qui est une nouvelliste. Dont le nom m'échappe maintenant, et qui a écrit en anglais merveilleux, toujours en restant à Paris. Alors, son nom me reviendra, je le dirai tout à l'heure. Ces écrivains là sont plutôt rares, parce que finalement la langue maternelle a tendance à s'appauvrir, enfin à s'estomper, à laisser la prédominance à l'autre langue, et c'est ce qui évoquait donc Adriane à travers cette citation. J'espère avoir été complet. Mais bon, enfin, finalement, l'essentiel est dit. Alors, je vais poser la question à Mia aussi sur la problématique postcoloniale, revenir aussi sur les caractéristiques de cette langue, de cette production. Je l'ai posée à Hugo tout à l'heure, mais je vous la repose, Mia. De nouveau. Parto dalla lingua, mi aggancio a quello che diceva Adrian. Cioè, spesso uno scrittore, innanzitutto è molto difficile generalizzare, e come abbiamo visto ci sono moltissimi modi in cui un autore arriva alla lingua nuova o non arriva, o rimane legato alla propria. Questo dipende innanzitutto, come dicevo prima, dalle culture e dalla lingua a confronto, perché ci sono culture molto lontane, lingue molto lontane, per cui chiaramente il travaglio del passaggio è molto maggiore. Poi dipende anche da delle resistenze interiori che possono essere di natura anche politica. Ci sono delle resistenze, per esempio, per quel che riguarda la francofonia, il rapporto con la lingua francese è un rapporto contrastato, è un rapporto su cui pesa la dominazione, mentre per quel che riguarda l'italiano no.
l'italiano utilizzato dagli autori postcoloniali viene assunto ma serenamente, non c'è nessuna rivendicazione, non c'è nessun contrasto, nessun bisogno di dimostrare nulla alla lingua, è una lingua stranamente, forse dipende dal tipo di colonizzazione diversa oppure dall'entità minore, dal peso minore che ha avuto la colonizzazione italiana, ma per esempio nei due ambiti del postcoloniale l'approccio con la lingua italiana rispetto a quello degli autori invece francofoni è molto diverso. Quindi dicevo, può succedere poi una cosa tragica, che è quello che i linguisti chiamano una duplice incompetenza, cioè ci si ritrova tra la lingua madre che sfuma e non si possiede ancora la lingua d'arrivo. E questa è una situazione in cui, per esempio, io sono figlia di un padre francese, però in Italia, e è arrivato un momento della sua vita in cui non riusciva più a scrivere in francese e si sentiva francese che gli sfuggiva e non era ancora in grado di scrivere come avrebbe voluto in italiano. E questa cosa mi ha marcato e mi ha portato appunto ultimamente a creare Lingua Franca, che è un'agenzia per gli autori transnazionali e soprattutto che sono in questa situazione, cioè in questa situazione di perché ci vogliono degli altri scrittori, degli altri poeti che vengano in soccorso, non può essere affidato a chiunque questo passaggio. Come diceva prima Rossio, che il suo francese è il francese di Coffon, no? Lei è arrivata al proprio francese attraverso Coffon, quindi per un autore arrivare alla propria nuova lingua è importantissimo il passaggio attraverso la lingua di un altro scrittore, di un suo pari, che sia capace di entrare nei meandri del pensiero in una maniera differente di quella che potrebbe fare forse un traduttore che non è abituato a lavorare sulle letterature transnazionali. Per quel che riguarda, ritorno alla tua domanda, allora innanzitutto l'Italia ha avuto una storia postcoloniale abbastanza esigua, quindi gli scrittori migranti transnazionali italiani che vengono dalla colonizzazione sono pochi in proporzione con questa caratteristica linguistica che ho detto. Gli altri sono autori che vengono da moltissime parti del mondo, come diceva Ugo, e sono autori che imparano l'italiano da adulti. No, quindi è una lingua innanzitutto che la scolarizzazione è avvenuta nella propria lingua madre e anche l'approccio alla letteratura è avvenuto attraverso la propria lingua madre, quindi non ci sono dei modelli letterari di riferimento, anche questo è importante, no? Si arriva in una lingua, si conosce qualcuno, prima appunto Ugo citava, si legge qualcosa, ma è tutto nuovo e quindi anche l'impatto, la capacità di rinnovare la lingua è molto maggiore. Appunto, finisco dicendo che il passaggio può essere per i vari autori può essere diverso, ci sono autori che riescono immediatamente a passare all'italiano e non scrivono più nella propria lingua madre, ci sono autori che riescono a mantenere il bilinguismo, quindi parallelamente riescono a scrivere nella lingua madre e nella nuova lingua, ci sono autori che scrivono nella lingua d'arrivo e si autotraducono nella lingua madre e viceversa. Ci sono autori che scrivono alcuni generi, scrivono per esempio narrativa nella lingua madre e poesia nella lingua d'arrivo, cioè ci sono moltissime modalità, ci sono autori plurilingui che scrivono invece all'interno dello stesso testo, fanno incrociare le varie lingue e questo dipende da un'infinità di fattori culturali ma anche umani. C'è un'editoria dietro alle spalle che appoggia, accompagna questo fenomeno. È un chiedere troppo, credo. Comunque c'è questo discorso, diceva, della lingua come filtro anche per il dolore, no? Cioè anche l'esperienza, l'impatto dell'esperienza migratoria, quanto più l'esperienza è dolorosa o quanto più si vuole rimuovere un passato doloroso, tanto più la lingua che viene scelta è una lingua filtro, una lingua che permette di dire quello che nella propria lingua non poteva essere detto. Cercherò di riassumere. Dunque, voilà, Mia évoquait reprenant le fil de la conversation d'Adrien, que tout se joue dans la langue, évidemment, on dit ça, évidemment, mais enfin, qu'il faut tout développer par la suite, tout se joue dans la langue, et donc, l'expérience à la fois humaine, son sentiment, etc., mais au-delà, il y a aussi un moment vous l'évoquiez dans votre essai aussi, Adrien, le partage des eaux. Le partage des eaux, il se fait entre un moment où un écrivain voit sa langue maternelle s'estomper, disparaître au profit de l'autre, et où il ne maîtrise pas suffisamment sa langue d'accueil pour exprimer cette,
cette inquiétude ou séparation qui est en train d'advenir, qui est aussi celle qui conditionne notre propre destinée. Et n'ayant ni la maîtrise de l'une ni et voyant perdre l'autre, il se trouve dans cette espèce de no man's land qui est le no man's land de la déculturation. Et ça, c'est aussi une question que j'aimerais évoquer avec vous, messieurs, dames, qui est le problème aussi qu'on vit dans les banlieues de nos grandes métropoles où cette confrontation se fait. On perd, beaucoup de jeunes se trouvent à cheval entre la langue d'accueil et la langue des parents et se trouvent déculturés. Donc ça peut bien se passer lorsqu'on a déjà quand même un certain bagage, une certaine expérience. Vous évoquiez Mia, l'expérience de votre père, mais aussi également l'expérience de d'autres écrivains. Ça peut se résoudre de la sorte, mais dès lors qu'on n'a pas cette expérience à la clé. Ah oui, je voulais simplement ajouter que beaucoup de ces écrivains apprennent l'italien en Italie, apprennent l'italien lorsqu'ils sont adultes. Il n'y a pas la différence, il n'y a pas cette expérience postcoloniale qu'il y a en France. Et ça, c'est une forte différentielle, si vous voulez. Ils ne connaissent pas la tradition littéraire aussi. Oui, ils ne connaissent pas la tradition littéraire par ailleurs. Ce qui explique Mia a conduit, Mia et d'autres amis dont je fais partie, à créer cette structure qui va accompagner les écrivains qui souhaitent avoir une langue véhiculaire pour leur permettre d'avoir une voix au chapitre dans l'espace politique et littéraire européen, en tout cas. Voilà, je crois avoir résumé l'essentiel. Alors, je me tourne là, du coup, vers Andrea pour citer un extrait de son roman. Évoquer, justement, le rôle du français. Dans votre dernier roman, justement, vous évoquiez, là, justement, vous étiez en train de parler, c'est intéressant parce que le début est tout à fait cocasse et très félinien. C'est le chef, hein, vous l'évoquiez, Lorenzo Ferrella, qui est un chef mafieux, décide de doter un prix appelé le Grand Prix de poésie chrétienne. Alors, c'est il est très inquiet, la scène première, hein, c'est très intéressant, il fait une grande réception, il y a tous les notables du village, de la ville qui sont là, il y a le député, il y a l'évêque, il y a la journaliste, la jeune et affriolante journaliste, parce que ce roman n'est pas très politiquement correct, vous l'aurez compris, et Lorenzo, le chef monsieur, il se dit, mais attendez, il se tourne vers son jury et il dit, mais vous êtes sûr du choix que vous avez fait? Et le directeur, le président du jury, dit, ne vous inquiétez pas, c'est un bon choix. Je cite Andrea. Ne vous inquiétez pas, il est sicilien. C'est vrai. Parce que le chef de la mafia voulait avoir un Italien du continent. Hein, quelqu'un, il vient d'ailleurs, hein, c'est sicilien. Mais il vit en France depuis 20 ans. Et il écrit en français. Vous devez me croire, la presse française également parlera de ce grand prix. Et nous avons besoin du baptême pan-européen. Fin de la citation. Bon, vous voyez bien la scène, c'est très cocasse, c'est très humoristique. Et je me tourne donc vers Andrea, on devine le côté un peu autobiographique, et il y a beaucoup d'autodérision aussi dans ce roman. Alors, le français sert-il, Andrea, de caution morale pour transformer un Sicilien ou un citoyen italien en un bon citoyen et un vrai Européen? Enfin, la question se pose moins là, maintenant avec tout le débat. Alors, une fois, j'avais ironisé sous Chazia et sous les écrivains italiens, même de grande qualité, qui viennent en France, à Paris surtout. Moi, je suis dans la périphérie de la France.
c'est ce qu'on appelle la province, même si Lyon est quand même une ville qui se défend comme elle peut, pour dire que comment faire d'un Sicilien un citoyen voltairien. Mais je voulais dire une petite chose avant d'aller dans le sens des choses que tu veux me faire dire. Il y a un moment, Marie qui me disait, il a connu Berlinguer, qu'il était en 73, était au Chili, à côté d'Allende, je ne sais pas comment. Moi, par contre, j'étais à Milan, en 1973, à la clôture du festival de l'Unità. De l'Unità, le grand journal communiste italien. Et il y avait à la clôture le discours de Berlinguer, le secrétaire, et de Corvalan, le secrétaire du Parti communiste chilien, qui, un jour avant le bombardement de la Moneda par Pinochet, il a dit non, l'armée en Chili sera fidèle. Il est tellement fidèle que le lendemain, et moi je l'écoutais avec un scepticisme. Le scepticisme, si tu veux, qui est de mon caractère, qui peut être aussi une maxime gramscienne, le scepticisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Et j'ai des sceptiques sur cette. Bon, que Corvalan, on en finit là, c'est le seul dirigeant politique d'une grande envergure qui s'est sauvé, parce qu'il était à Milan, et après il est parti en exil à Moscou, et il est resté là. Cela dit, moi, j'ai cette conscience de la migration constante. C'est dans mon histoire et dans mes gènes. La Sicile, c'est au centre de la Méditerranée, a été des siècles durant aussi au centre de l'histoire de la Méditerranée. Et moi, que je suis francophile bifone, en même temps, j'ai été, j'ai une culture francophile dès le début. La littérature italienne commence par les littératures d'Oc et d'Oïle, chose qu'en France ne se vérifie pas. Donc, au lycée, déjà, j'avais conscience de ça. Mais pour dire l'immigration, je m'égare. La Sicile, centre de la Méditerranée, surtout à la période des Normands, qui ont porté quand même quelque chose, surtout cette culture française, et après se sont développés dans le royaume le plus moderne d'Europe à cette époque-là, avec Frédéric II, qui est le grand descendant, qui a hébergé les poètes, les troubadours qui partaient de France parce qu'ils étaient persécutés par les luttes religieuses, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi de notre vie. Je suis aussi un émigré parce que je suis un émigré de l'intérieur. Moi, je suis parti de ma Sicile natale, j'ai vécu dans un quartier misérable de ma ville, et j'en parle partout, et mon père n'était qu'un un pauvre coiffeur qui n'a jamais pu exercer quand même pas son métier. Et dans une situation de misère totale de l'après-guerre, en 60, a fini mes études au bac, je veux dire, après l'université, je me suis inscrit deux fois, mais j'ai fait la révolution, donc je n'ai pas fait d'examen. Et je suis parti à Milan, parce que c'était Milan ou l'étranger. Et à cette époque, l'étranger, c'était la Suisse, l'Allemagne, en reconstruction par les ouvriers qui venaient du sud de l'Italie. Parce qu'on ne partait plus aux États-Unis après la guerre mondiale. On partait du nord de l'Italie, ou du nord de l'Italie. Moi, je suis tombé dans le nord de l'Italie. J'ai pas fait, parce qu'il y avait une industrie dans le nord de l'Italie, surtout l'industrie de l'auto, par exemple, à Turin, mais les grandes usines milanaises aussi, que j'ai vues au début, mais à Milan, il n'y en a plus, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de smog, il y a un autre smog, mais quand même. Et donc, cette période, je l'ai vécue comme un immigré à l'intérieur. On était les Terum. On était les Terum, les gens du sud. Les Terroni, comme on va. C'est que s'amassait. Oui. Dans des petites pièces, avec 10 personnes dans un lit, comme ça s'est passé longtemps et se passe aujourd'hui encore avec cette migration qui est différente, mais sur le plan humain,
amène les mêmes dégâts. Donc je ressens ce groupe. Et c'est curieux aussi que dans ce livre, dans ce roman dernier, qui est paru au mois de janvier chez Maurice Nadeau, il y a un chapitre aussi, malgré tout ça, dont le protagoniste s'appelle Akebe. Qui est un Sénégalais. C'est un Sénégalais, c'est des Sénégalais, disons, de la première vague d'immigration, encore romantique. Mais c'était un Sénégalais qui fait un voyage sur une plage, d'un point à l'autre, 30 km par jour, pour vendre des bricoles. Des bricoles fabriquées clandestinement à Catane, et qui passent pour des produits japonais, et que tout est maîtrisé par la mafia. Voilà. Tout ça aussi m'a fait créer ce personnage un peu que j'ai fait peut-être dans l'après-midi. Oui, je lirai ça parce que je ne sais pas éventuellement quoi lire. Mais donc j'ai vécu en prise directe et moi j'ai trouvé mon expérience milanaise malgré mon engagement politique, oui. Mon engagement syndical, le fait que j'écrivais dans des revues d'une certaine importance à cette époque, Il Ponte, etc. Et, ne m'ont pas intégré du tout. C'est vrai aussi que moi j'ai un caractère affreux. André le sait, lui aussi. C'est aussi une forme de définition de l'italianité, hein, la marge. C'est voilà. Paul Valéry qui le dit pour définir l'italianité, une pensée de la marge. Qu'il a écrit dans les années 20. Alors, merci. On aura l'occasion d'entendre des extraits de ce roman remarquable que je vous conseille. Bien. Alors, écoutez, c'est le temps des questions. À vous la parole. Vous en avez sans doute plusieurs. Alors, Rocio. Et voilà. D'autres personnes qui ont écouté attentivement. Oui. Merci. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec le long exposé qu'il a fait Mia sur la complexité des écrivains qui vivent dans un pays étranger et qui décident de passer ou pas à écrire dans une langue étrangère. L'évolution de chacun est complètement différente et c'est vraiment, ça nous, pourrait nous amener à parler pendant des heures et des heures. C'est très difficile. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écrivains étrangers qui passent à écrire dans la langue du pays d'accueil, car c'est très difficile, compliqué, parce qu'on est confronté déjà aux critiques des écrivains, des élites du pays, des critiques du pays. Donc, ça s'ajoute aux difficultés personnelles déjà de la vie d'un écrivain. Donc, les choix de passer à écrire, c'est très, très compliqué. Il est très facile, par contre, de rester dans son coin et dire oui, c'est ma langue d'origine, j'y reste ça parce que je suis fidèle, parce que je ne sais pas quoi. Non. D'habitude, c'est ça ce qui se passe, mais parce que c'est le choix le plus simple. Pour ce qui s'agit de Cortázar, il a fait, c'est pas parce qu'il était fidèle à l'Argentine ni quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est parce que c'était très simple pour lui. Lui, il est devenu tout de suite célèbre. Donc, il n'avait pas besoin d'écrire ou se donner la peine de passer au français. Il a été dans son pays, il a été accusé d'avoir devenu apatride parce qu'il était cosmopolite, non pas d'être resté argentin, pas du tout. Pour lui, c'était très facile d'écrire un argentin. Et d'ailleurs parce qu'il est devenu célèbre tout de suite et qu'il y avait plein de traducteurs. Et pourquoi, comme il disait lui-même, parce que l'Argentine vivait à un moment donné dont il y avait eu 36 000 morts et ça lui a permis de prendre la parole en première ligne. Et il était bien content. Mais c'est les prototypes de l'écrivain cosmopolite et apatride. Et il le reconnaissait lui-même. Il avait d'ailleurs trouvé une formule, il disait, c'est une sorte de composant autre. Je ne suis pas apatride, mais c'est vrai, je ne suis pas tout à fait argentin. Ah, mais ça, c'est une question. Alors, pour l'argentin que vous êtes, alors, est-ce que. Alors, c'est le cas, enfin, c'est la discussion sur le décoration italien. Alors, pour répondre. Pour réagir à la proposition de Ratio sur le fait que Carta
Balthazar, considérable sur toute cause. Sì. No, ma ho più o meno capito. E Cortázar parte dall'Argentina negli anni 50, quando nel periodo in cui sta finendo il governo peronista, e lui si dichiarava antiperonista, poi viene qui a Parigi. Ora, la dittatura in Argentina comincia negli anni nel 76. E lui prende posizione contro la dittatura, tanto è vero che poi credo che sia stato nell'83 o nell'82 che lui è riuscito a entrare in Argentina, se non prima non era riuscito a entrare. Ma forse hai ragione, lui si è costruito un po' la sua immagine, ma questo non lo metto in dubbio. Quello che sì mi sembra ammirevole in Cortázar è il fatto che lui abbia, come dire, mantenuto la sua lingua e che abbia continuato, diciamo, a scrivere tutto quello che ha scritto in uno spagnolo che era molto argentino e che effettivamente un po', come dire, fa meno tutto quello che abbiamo detto, perché non è che la sua lingua, lo spagnolo, veniva meno stando lontano. La lontananza a volte, no, ci fa perdere la propria lingua. Lui la rinforzava di più, questa lontananza. E forse il fatto che lui continuava a tradurre in spagnolo autori sia francesi che inglesi, lui continuava a tradurre. Quindi poi penso che anche a Parigi era pieno di argentini in quegli anni lì. Sì, no, estoy completamente de acuerdo, y es lo que dije. No, estaba en contra de eso, sí, exactamente lo que dije. Solo que para él fue una situación muy fácil mantener su idioma argentino, sí. Es todo. ¿Yo puedo hacer una intervención? Sí. Je vais juste faire le traduire. En fait, il explique en fait pour le cas Cortázar, parce qu'en fait, ça pose la question de l'écrivain dit cosmopolite et apatride. Hein. C'est des catégories qui ont été beaucoup évoquées dans l'après-guerre et même avant. Donc, c'est très connoté. Hein, en fait, alors, donc, il réagissait Adrien en expliquant que finalement, Cortázar est parti dans la fin des années 50, lorsque se terminait le péronisme. Hein. Et qu'il a pris quand même fait des causes contre les dictatures en 76. Et que d'une certaine façon, il convenait avec Ratio qu'il pouvait avoir construit son image. Mais ce qu'il trouvait admirable chez Cortázar, c'est qu'il a conservé cette langue espagnole argentine, notamment avec dans sa spécificité, sa singularité, mais aussi parce que aussi il y avait des raisons pratiques. C'est pas parce qu'il est devenu célèbre, enfin c'est ce que je sous-entends, mais c'est parce qu'il pratiquait la traduction. Il traduisait des auteurs en espagnol, donc le lien avec sa langue, il l'a toujours conservé. Voilà. Oui, je voulais faire une intervention. Moi, ce qui ressort des deux tables rondes pour moi à ce stade, qui sont très riches l'une et l'autre, c'est que effectivement, les écrivains qui sont très représentatifs lors des tables rondes, et un éditeur notamment aussi, c'est qu'au fond, à travers leurs expériences qui sont très riches, qui peuvent être plus ou moins douloureuses, plus ou moins heureuses, qui sont refondatrices aussi, on a vu, ils sont citoyens du monde. Le mot a été donné par notre ami Malik. Et ça me frappe. Il y a un invité que tu aurais aimé avoir ici qui n'est pas là. Je vais essayer de parler un peu pour lui. Parce que lui, il est tout typiquement dans cette dialectique-là, dans cette nouvelle façon de vivre au monde. C'est Jean Portante, ah, oui, qui est luxembourgeois parce que ses parents italiens ont émigrants. Il y avait du travail en Luxembourg. Bon, et là, lui, c'est un pays tout à fait intéressant pour un jeune de famille italienne qui vit là au Luxembourg tout petit. Hein, il est né en 1950. Alors, qu'est-ce qui se passe au Luxembourg? Il y a déjà, dans la cour de l'école, ceux qui sont natifs de la région, ils parlent le francique. Le francique mosellan, donc une langue germanique. Bon, ça, c'est dans les copains. Mais on doit apprendre à l'école et le français et l'allemand.
Et en fait, à la maison, on parle, à la casa, c'est italien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oui, en plus, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il aurait pu choisir, comme il l'a expliqué souvent, d'écrire soit en allemand, qui était sa langue de culture, et soit en français. Il a choisi le français. Il a choisi une langue latine. Bon, mais alors... Et il est devenu le parfait citoyen du monde parce que lui, à travers ce qu'il fait, lui, comme passeur, il fait traduire énormément à partir de l'allemand vers l'allemand. Il fait traduire l'italien, le français dans les deux sens. Il a vécu à Cuba. Il est aussi, comme vous, même, les mêmes combats. Hein. Et donc, c'est très intéressant. Et lui, il se vit plus comme quelqu'un qui n'est ni apatride ni cosmopolite, mais qui est citoyen du monde. Et il a écrit un roman magnifique qui s'appelle La Baleine. Et il a un thème très intéressant. Il dit... Moi, j'effaçonne. J'efface tout en façonnant. J'effaçonne. Parce que j'ai mon poumon, c'est la baleine, qui est comme un poumon. Là, c'est l'italien, mon poumon. Mais quelque part, je l'ai oublié, mais c'est ça. Je respire comme une baleine. J'ai mon italien en moi. Je suis une baleine. Voilà, c'est très intéressant. C'est vrai, on connaît. Oui, on a entendu souvent Jean Portant parler de cette baleine. Qui porte en lui et qui est évoqué aussi à travers le fil de nos conversations. L'idée de citoyenneté du monde aussi, il faut questionner cette notion. C'est pour ça qu'il y avait l'objet. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette rencontre. La citoyenneté du monde n'est plus se conjugue plus de la même façon aujourd'hui qu'hier, tel comme au début de la. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a cette mondialisation qu'on évoquait, la numérisation qu'on évoquait. Donc, elle est très différente. C'est pour ça que... c'est la raison pour laquelle. Alors, on pose les questions. Posez les questions. Excusez-moi, je suis parti. Bon, bonjour. Non, juste pour faire une extension. David Ferré, pardon. Bien sûr. Essentiellement traducteur, mais pas uniquement, par rapport à ce que vient de dire notamment Sylvestre. Il y a une notion que je trouve intéressante pour re-questionner la citoyenneté justement dans la langue, qui n'est pas de moi, qui est de Daniel Siboni, qui s'appelle l'entre-deux ou l'origine remise en question, non pas balaye d'un revers de la main, mais interroge la question de la polarité entre la source et la cible, que ce soit dans la traduction ou pour les auteurs qui seraient cosmopolitains et écriraient dans leur langue ou dans la langue d'accueil, non ? Et que ce soit la question de la traduction ou de l'auteur, hein, on pourrait regarder Cortázar aussi à la lueur de cet entre-deux, aussi merveilleux que soit son français que son argentin, que de considérer qu'on peut aussi être dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est ni en train, si on prend le cas de Cortázar, de valoriser l'argentin, ni en train de valoriser la langue française, mais de créer soi-même la poétique dans laquelle on se trouve quand on est entre deux langues, si ce n'est trois ou quatre, comme vient de prendre l'exemple de Sylvestre, ce qui remet en question aussi les dogmes linguistiques, hein, la parfaite traduction ou le parfait écrivain qui écrit merveilleusement le français ou merveilleusement le castillan ou merveilleusement une langue plutôt dominante. En général, on fait référence à des langues dites dominantes, et nominantes, de fait, et c'est tout à fait, je crois, dans le cadre de ce que vous mettez en place là aujourd'hui, et que voilà, juste cet entre-deux comme un chantier littéraire, peut-être, qui serait intéressant à un moment donné d'utiliser comme notion pour échanger sur cet espace hybride de l'écriture qui est ni d'un côté ni de l'autre, en fin de compte. Bon, on l'a interrogé de façon diverse à travers d'autres mots, effectivement, l'entre-deux, oui. Je me souviens de ce livre remarquable de Siboni, l'entre-deux. Oui, bien sûr. D'autres questions? Je voudrais juste dire un mot de... Oui, allez-y. Pour un traducteur, je suis Clara Beck, d'origine hongroise. Il y a un traducteur magnifique qui n'est pas là, Jean-Luc Moreau. J'ai entendu des traductions de poésie hongroise de la part, et c'était vraiment magnifique. Alors, il était capable de transmettre des poèmes de 16e siècle et même 20e, mais alors c'était incroyable. Oui, je souscris. Jean-Luc Moreau, qui est membre du Pen Club, est un très très grand traducteur, un spécialiste de langue hongroise. Il a été le professeur Langzo du hongrois, mais il est absolument génial. Il est reconnu par les Hongrois comme peut-être meilleur que les Hongrois. Non, il est extraordinaire. Oui. Très bien, merci. Je vais prendre une autre question, puis après ça, on clôt, puisqu'on va aller déjeuner. Alors, je crois qu'on est assez un peu nombreux pour...
Oui, allez, des questions rapides et ensuite on clôt la table ronde. Une question rapide. Oui, cher Philippe. On est sur une table ronde sur les migrations et on est dans une société où il y a beaucoup de migrations. Oui. Qui viennent, qui traversent la mer. Oui. Et avec une société qui évolue considérablement. Il y a dans nos banlieues, dont on a parlé tout à l'heure, des enfants qui sont élevés aujourd'hui dans des cultures différentes. Et on se pose la question de savoir dans quelle langue il faut les éduquer. Et dire que on ne se pose pas vraiment la question de savoir si la langue d'origine doit être enseignée et comment et avec qui. Et c'est, je crois que c'est une question importante sur laquelle il faut, travailler. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je suis l'autre, Hugo. Una domanda per Adrian, molto brevemente. Hai ben descritto il processo di cambiamento di lingua e dunque dell'offuscarsi della lingua materna, dell'adozione della lingua ospite. Accade qualcosa di simile per la tradizione culturale da cui si viene e non per il codice naturale della lingua? E cioè nel tuo caso, quali sono i tuoi modelli? Vieni da una tradizione narrativa straordinaria e arrivi in un paese dove il romanzo è sempre stato un problema. I tuoi modelli sono cambiati analogamente, c'è un processo simile di trasformazione linguistica e di codice culturale di tradizione o i modelli restano identici? E tutto il problema delle come la lingua è dotata, che cultura, se la lingua è riccamente dotata. Io prendo la rappresentazione di Pascal Casanova, che avevamo invitato qua, Pascal Casanova, che ha scritto questo meraviglioso saggio La République mondiale des lettres. Et donc, je rebondis en français, parce que Hugo me posait la question de savoir à partir de quoi on travaille les langues d'accueil. Hein. C'est à partir de nos cultures d'origine. Alors, elle fait le distinguo entre les cultures qui sont richement dotées, qui sont fortement dotées, et les cultures qui le sont moins. Et là, tout se joue la manière dont on s'intègre, et notamment dans les banlieues. Et ce que vient poser Philippe Pujas comme question est... Moi, je l'ai vécu personnellement, et je vais vous parce qu'il est important, les enfants, les jeunes qui se trouvent dans cette espèce de no man's land de la déculturation, c'est-à-dire la non maîtrise de la langue d'accueil ni la langue d'arrivée, enfin d'une certaine façon, et ont besoin de retrouver leurs référents d'origine et je me souviens très bien de l'émotion que j'avais ressentie lorsque des chercheurs avaient expliqué cette question-là devant une conférence. Et je me devais de traduire cet article. Je devais faire un papier, tout simplement. Et j'étais dans l'impossibilité de le faire parce que je me suis rendu compte ce que dont ils parlaient, c'était ma réalité. Je veux dire, oh! Et pendant une semaine, j'étais presque à faune d'une certaine façon parce que je voyais la réalité en pleine face, en pleine figure. Je dis bon sang, mais c'est vrai. Ma maîtrise du français, elle est liée à la maîtrise de l'italien que je n'ai pas eu véritablement. Je suis parti très jeune. Donc, évidemment, la question de l'apprentissage de la langue d'origine se pose. C'était un vrai enjeu. Antoine, et on clôt. Et on va manger. Oui, oui. Oui, on va le dire. Oui. Ah, excusez-moi. Puisque tu as évoqué la République mondiale des lettres, oui. C'est-à-dire le livre de Pascal Casanova, oui. Je crois que tu ne vas pas pouvoir régler la question seulement avec ce qui a été dit sur l'apprentissage de la langue d'origine. Parce qu'il y a une situation mondiale qu'elle décrit remarquablement dans son livre. Je comptais en parler cet après-midi, parce que c'est un très grand livre. Et elle explique de façon absolument remarquable que c'est une situation qu'on ne peut pas dominer comme ça. C'est un donné que l'existence de langues mondiales qui dominent et de langues qui, par ailleurs, sont dominées. Alors, qu'on puisse apprendre dans les quartiers la langue d'origine, si elle n'est pas d'un pays dominant, ça restera quand même une langue dominée. Et premier point. Et deuxième point, il y a une question quand même très importante, qui est la question de l'intégration. On vit dans un monde où il faut s'intégrer. Donc quand on vit en France, et je parle de ceux qui vivent en France, et qui viennent de pays de langue dominée,
qu'on le veuille ou non, l'apprentissage du français et l'expression en français est fondamental, parce que c'est la langue où ils vivent, et aussi parce que c'est une langue dominante. Et là, je voudrais dire que le fait d'être dans un monde de langue dominante, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et je trouve que le rapport qu'il y a entre langue dominée et langue dominante, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'intérioriser, de comprendre, pour savoir comment, et c'est pour ça que j'étais assez sensible à la question du mélange des langues. Moi, je crois qu'on peut importer dans une langue dominante, elle le dit d'ailleurs Pascal, des concepts de la langue dominée, mais bien savoir qu'on ne peut pas mélanger les langues et qu'à un moment donné, il faut choisir la langue dans laquelle on parle, dans laquelle on écrit, dans laquelle on s'exprime. Et la langue dans laquelle on écrit, je pense par exemple à ce que faisaient les Antillais, hein, Glissant. Que fait Glissant avec le créole? Au fond, je me permets de penser que le créole n'est pas une langue complète et que donc le créole permet de matiner la langue, au fond de la métisser. Et une langue métissée, c'est une magnifique langue, très utile, où d'autres cultures ont pénétré la langue véhiculaire. Mais en même temps, le statut de la langue véhiculaire reste ce qu'il est. Et je crois que ce serait une illusion, en tout cas si j'en crois le livre de Pascal, et je suis d'accord avec elle, de penser qu'on pourrait subvertir ces statuts. Merci Antoine, vous avez élargi le débat qu'on va reprendre plus amplement. Je voudrais rebondir là. Moi, j'ai écrit un poème qui finit comme ça. J'ai mélangé les langues, ma tour ne tient pas debout. Bien, c'est une bonne conclusion.